هذا هو ديال قوة الأداء هذا كان هاي تروح كومو دير هكذا هيموبتيزي هيموبتيزي واش طايش الدم العربي طايش الدم من عقل الطيار هذا هو هيموبتيزي تقدر تقول لها كوما ابيستاكسيس جا فيان دو ني فين غرسيس كيما فين بدا كانوا بيلا يعني كانوا اكثر من صوت كانوا صوت جاب الحيوانات بدا وصل خلص صار مكتوب Oui, j'attends vos questions. Je répète pour le chorée, c'est des pertes. C'est du liquide qui provient du vagin et c'est dû à une infection. La plupart du temps, soit une gonocoxie, due au gonocoque, ou la mycose, c'est-à-dire des champignons, ou d'autres infections, n'importe quel microbe. Ensuite, l'utérus, l'intérieur, il est vide. Et quand la femme subit un curetage abrasif, ça veut dire qu'on a trop cureté, ou bien il s'agit d'une tuberculose qui a atteint l'utérus de l'intérieur, il se ferme. Donc, il n'y a plus de cavité. On appelle ça une sinusite utérine. Et si la femme fait une sinusite utérine, elle va avoir une aménorrhée secondaire. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Voilà. Dysménorrhée secondaire, à quel moment de la vie? Dysménorrhée primaire, c'est-à-dire primaire, hein. Ça arrive dès le début des règles. Et secondaire, ça n'a pas de moment. Au moment où la femme fait une endométriose, elle peut la faire à 25 ans, à 30 ans, une endométriose, à ce moment-là, elle va faire une dysménorrhée secondaire. Et, on avait dit surtout l'endométriose qui est responsable de la dysménorrhée secondaire, mais on peut avoir un fibrome utérin qui peut arriver à 35 40 ans, et un fibrome utérin, lui aussi, va entraîner une dysménorrhée secondaire. De même qu'une infection, je vous ai dit que l'utérus il est basculé légèrement en avant. S'il y a une infection après un accouchement ou après un avortement, cette infection va attirer l'utérus vers l'arrière, et à ce moment-là, ça va entraîner une dysménorrhée secondaire. Donc, le temps, ça dépend de l'atteinte pathologique qui va entraîner la dysménorrhée secondaire à n'importe quel moment de la vie.
Donc, il y a encore un cycle. Alors que la dysménorrhée primaire, elle vient dès le début des premières règles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quoi le cycle artificiel? Un cycle artificiel, quand la femme prend la pilule, contraception orale, la pilule, c'est un cycle complètement artificiel. Complètement artificiel, pourquoi? Parce qu'on lui donne, dans la pilule, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des oestrogènes, il y a de la progestérone. Ce qui fait, quand on donne oestrogène et progestérone, ça va faire une prolifération de l'endomètre, et cette prolifération de l'endomètre, quand on arrête la pilule, elle va avoir ses règles. C'est ça ce qu'on appelle le cycle artificiel, c'est-à-dire les sécrétions ne proviennent pas des ovaires de la femme. Elle utilise les hormones qu'on lui donne, la pilule qu'on lui donne. Donc, c'est des règles artificielles. Oui. Oui, d'autres questions? J'ai d'autres aussi. Ah, ça c'est pourquoi quand la femme fait un régime, il y a une aménorrhée. Ça c'est une question très difficile là, à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a une hormone méconnue qu'on appelle la leptine. Ça c'est un peu difficile. La leptine qui provient des cellules adipeuses. Et c'est elle qui fait le déclenchement des règles. Ça c'est un peu difficile. Ce qui explique pourquoi quand la femme fait un régime, elle chute le poids. Il n'y a plus de cellules graisseuses, donc la leptine diminue. Ce qui explique, ça entraîne une aménorrhée. La même chose, les femmes qui font beaucoup de sport, les femmes sportives font du sport à haut niveau, les athlètes qui courent là, elles diminuent le poids, il n'y a plus de cellules adipeuses. Donc, son corps ressemble à celui d'un homme, il n'y a plus de cellules adipeuses, parce que la femme a beaucoup de cellules adipeuses, à l'inverse de l'homme. Donc, il n'y a pas assez de cellules adipeuses, ce qui explique pas de cellules adipeuses, donc il n'y a pas assez de sécrétion de leptine, ce qui explique l'aménorrhée. De même, on pense qu'il y a une relation entre, on appelle ça la somatométrie, c'est un peu compliqué pour vous, c'est-à-dire une relation entre le poids et les règles. On pense qu'il faut que la femme obtienne au moins un poids de 45 kg pour pouvoir avoir ses règles. Si elle est trop, dès le départ, elle est trop maigre, elle peut ne pas avoir ses règles. Donc, il y a relation entre le poids, les cellules adipeuses qui sécrètent une hormone qu'on appelle leptine pour pouvoir le truc, ce qui explique les aménorrhées. Oh, aussi, hein. Endométriose. Je l'ai expliqué tout à l'heure, endométriose, je l'ai dit, il y a une partie de l'endomètre qui desquame au moment des règles, qui desquame, c'est-à-dire où elle tombe, la partie fonctionnelle, et les vaisseaux sont ouverts, donc un mélange de cellules de la partie fonctionnelle et un mélange de cellules de sang qui sort par le vagin. C'est ça les règles. Et des fois, une petite partie de l'endomètre, elle va dans l'autre sens. Au lieu de sortir par le bas, elle va dans l'autre sens et elle monte au niveau des trompes et elle s'accroche au niveau des trompes. Ça fait comme une... Elle s'accroche au niveau de la trompe et elle reste fonctionnelle. Quand il y a une prolifération de l'endomètre au niveau de l'utérus, elle prolifère. Quand il y a des squamations, elle saigne aussi. Et c'est ça ce qu'on appelle l'endométriose. Et c'est une grande, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande source de stérilité chez la femme, parce que l'endométriose, le bout de l'endomètre qui migre, un organe, comment on appelle ça. Donc, cette partie d'endomètre qui migre vers la trompe, elle va obstruer la trompe et ça va donner des douleurs, évidemment, dysménorrhée et surtout, c'est une grande cause de stérilité chez la femme, l'endométriose. Oui, je me souviens d'autres questions. Voilà, migration de l'endomètre de l'utérus, c'est comme un tissu envahissant. Oui, c'est une greffe en quelque sorte. Vous avez raison. Il répond à ma place. Vous avez dit migration du endomètre en dehors de l'utérus, c'est comme un tissu. Et effectivement, c'est un envahissement. D'une partie, c'est une greffe. C'est une greffe d'une partie d'endomètre qui part au niveau de la trompe. Je vous ai dit tout à l'heure même, ça va sortir en dehors de la trompe et tomber au niveau de l'ovaire ou surtout au niveau des intestins. Effectivement, c'est une greffe et qui continue à vivre quand la femme sécrète des hormones.
ça agit au niveau de cette partie qui est greffée. Vous avez détaillé un truc dans l'aménorrhée qui n'existe pas sur le diapo. C'est la, quelle aménorrhée? Primaire, secondaire, je ne sais pas. Il n'existe pas sur le diapo. Effectivement, en ce qui concerne les aménorrhées, on avait dit les aménorrhées primaires et les aménorrhées secondaires. Les aménorrhées primaires, j'ai dit uniquement quand la femme n'a jamais eu ses règles. On avait cité l'insuffisance urinaire, syndrome de Turner, testicule féminisant et syndrome de Rokitansky. Je les ai cités comme ça, c'est un peu tout le monde, hein? Primaire. Dans les aménorrhées primaires, je vous ai dit, il y a un manque la plupart du temps, un manque d'enzymes au niveau de la surrénale. C'est surtout la 21-hydroxylase qui est déficiente. Et à ce moment-là, ça aboutit vers une sécrétion accrue d'androgène. Et la petite fille, ces androgènes vont agir sur la petite fille, ce qui fait qu'il y a un pseudo-hermaphrodisme. À la naissance, on ne sait plus si c'est une fille ou si c'est un garçon. Voilà pour l'insuffisance urinaire. Mais c'est un peu truc. Vous avez ensuite le syndrome de Turner. C'est une femme qui, au lieu d'avoir 45XX, elle a plus de 46XX, elle a 45-0, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il lui manque un X. Et à ce moment-là, c'est des femmes qui font une aménorrhée primaire avec morphotype, c'est une taille diminuée, elle est de taille diminuée, avec des malformations cardiaques, osseuses. Et surtout, elle n'a pas de règles dès la naissance. C'est-à-dire à l'âge d'avoir des règles, elle n'a pas ses règles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'ovocytes. C'est une, je ne sais pas si vous vous rappelez votre physiologie. À l'intérieur de l'utérus, la petite fille, l'embryon, il a 7 millions. Ensuite, il y a 5 millions qui vont disparaître. À la naissance, il nous reste à peine 2 millions. Chez cette femme, il n'y a plus d'ovocytes. Elle a tout détruit à l'intérieur de sa mère, si vous voulez. Donc, ce qui fait, elle fait une aménorrhée primaire. Vous avez le testicule féminisant. C'est une femme ou un homme, je ne sais pas comment le dire. C'est une femme qui, à la place des ovaires, elle a des testicules. Elle a des testicules, elle a une morphologie féminine, elle fait une aménorrhée primaire et elle a une stérilité primaire, testicule féminisant. Malgré qu'elle a des testicules, elle va évoluer vers le côté féminin, c'est-à-dire le physique féminin, génotype, morphotype féminin. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de récepteur aux androgènes. Elle n'a pas de récepteur aux androgènes. Ce qui fait, puisqu'il n'y a pas de cellules androgènes, malgré que les testicules sécrètent des androgènes, elle va évoluer vers le côté féminin. C'est-à-dire, elle a un vagin, elle a des seins, mais elle n'a pas d'utérus. On appelle ça le testicule féminisant, ça rentre dans le cadre dans les pseudo-hermaphrodites. Ensuite, vous avez une autre malformation, le syndrome de Rokitansky. C'est une malformation où la femme n'a pas de vagin. Le vagin est tout petit, si vous voulez, et elle n'a pas d'utérus. On appelle ça le syndrome de Rokitansky, qui entraîne lui aussi une aménorrhée primaire. Zid, tu as d'autres questions? Syndrome de Sheehan, ça c'est le Sheehan, c'est le monsieur qui a découvert ça. Au moment de l'accouchement, si la femme saigne énormément, si elle saigne énormément, il y a une atteinte de l'hypophyse. Une atteinte de l'hypophyse, si elle n'est pas compensée. C'est pour ça qu'il faut transfuser la femme juste après l'accouchement si elle a beaucoup saigné. Sinon, il y a une atteinte de l'hypophyse. S'il y a une atteinte de l'hypophyse, il n'y a plus de sécrétion de FSH et de LH. S'il n'y a pas de sécrétion de FSH, la femme va faire une aménorrhée secondaire. C'est pour ça que c'est très important. Après un accouchement, il faut que la femme soit transfusée. Parce que si elle n'est pas transfusée, elle risque de faire une aménorrhée secondaire. Et donc, elle risque de ne plus avoir ses règles, elle risque de ne plus avoir d'enfants. Elle va faire une stérilité secondaire. Zit. Oui, je n'ai pas d'autres questions. C'est-à-dire, vous anticipez un petit peu. Pouvez-vous expliquer le taux des hormones au moment du cycle? Au début du cycle, les premiers jours, jusqu'au tout à fait au début du cycle, une sécrétion accrue de FSH, une petite montée de FSH, surtout de FSH, c'est pour pouvoir le recrutement des follicules. Parce qu'au début, juste après les règles, il y a une petite montée de FSH pour le recrutement
des follicules, en général entre 5 à 15 follicules qui sont recrutés en début de cycle. Ensuite, ces follicules, il va avoir un seul follicule qui est dominant et les autres, il va avoir une atrésie des autres follicules. Il ne reste que le seul, un seul follicule dominant. Et après, donc, en première partie du cycle, c'est-à-dire du premier au 14e jour, il y a uniquement une sécrétion d'œstrogène. À partir de l'ovulation, à ce moment-là, il va avoir une sécrétion, le follicule dominant va se transformer en corps jaune, et on va avoir une sécrétion mixte d'œstrogène et de progestérone. Là, pour le cycle. Donc, si vous voulez les taux, en début du cycle, ça c'est une question qui est intéressante, surtout pour la stérilité. En début du cycle, le taux de FSH doit être à peu près à 6. Le taux de LH doit être à peu près à 5. C'est des examens courants. Et on demande aussi la prolactine qui devrait être inférieure à 50 nanogrammes par millilitre. Donc, surtout FSH et LH. On peut demander les œstrogènes, la progestérone, etc. Mais uniquement avec FSH et LH, on a une idée du fonctionnement de... du fonctionnement des ovaires, FSH, LH. Imaginez une femme qui se traite pour stérilité, vous lui faites en début du cycle une FSH, vous allez trouver au deuxième jour du cycle une FSH à 40, ça va être une stérilité primaire, ça veut dire que ces ovaires sont vides, puisque la FSH elle provient de l'hypophyse, l'hypophyse elle est en train de stimuler l'ovaire, et cet ovaire ne répond pas. Là, on est un peu sorti du cadre de la sémiologie, c'est beaucoup plus de trucs de la stérilité. Il y a d'autres hormones maintenant qu'ils donnent pour avoir une idée du cycle. On appelle ça l'AMH. Pour avoir une idée sur la réserve, on appelle ça la réserve folliculaire. AMH, c'est une hormone anti-müllérienne. Hormone, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hormone anti-müllérienne, parce qu'au début, point de vue embryologique, il y a la gonade qui n'est ni masculine ni féminine. La gonade, c'est-à-dire elle n'est ni testicule ni ovaire. Vous avez les canaux de Wolf. Et les canaux de Müller, les canaux de Wolf qui vont se développer pour le garçon, et les canaux de Müller vont se développer pour la femme. Et il y en a un, si c'est XX, c'est une femme, plutôt c'est l'inverse. Si c'est XY, on a une sécrétion d'une hormone qu'on appelle hormone anti-müllérienne contre les canaux de Müller. Ce qui explique que les canaux de Müller vont disparaître et ça va évoluer vers le côté garçon. Mais c'est un peu... pas pour la sémiologie. Que veut dire abrasage complet? C'est-à-dire abrasage complet incomplet. C'est-à-dire une descommation. C'est-à-dire ça tend, l'endomètre tombe, mais pas complètement. Pas complètement. Abrasage, abrasé, c'est-à-dire diminuer la diminution de la muqueuse, mais pas complètement. Zit. Schéma, tout le monde, garniture, chez garniture. Chez schéma. De schéma à tout le monde. Garniture. Garniture, ça veut dire les bandes hygiéniques que mettent les femmes là. Quand elles ont ces règles. On appelle ça garniture hygiénique, ça veut dire les bandes. Si elle imaginait qu'une femme, chaque jour, on avait dit au début de bandes, jusqu'à 4 bandes par jour, c'est acceptable. Elle vous dit, j'utilise jusqu'à 15 bandes par jour. Cela veut dire que cet animal est tellement important qu'il est obligé de se changer. Les garnitures, c'est les... les bandes hygiéniques, ils mettent en bas pour que le sang ne coule pas au niveau des cuisses, etc. Je vous ai dit, c'est un peu dépassé. Entre insuffisance urinaire, je vous ai dit, c'est un peu compliqué. Ça rentre dans le cadre du pseudo-hermaphrodisme. Pseudo-hermaphrodisme, cela veut dire que c'est une petite fille. Seulement, au lieu qu'il y ait sécrétion normale des œstrogènes, elle est bloquée parce qu'il y a une enzyme qui manque. On appelle la plus fréquente, il y a 3 enzymes, mais la plus fréquente, c'est le déficit en 21 hydroxylase. Ce qui fait que l'hormonologie, elle se bloque au niveau des androgènes. Et quand il y a une sécrétion accrue d'androgène, il va avoir une ambiguïté sexuelle. À la naissance, on ne sait plus si c'est une fille, c'est une fille ou un garçon. Par exemple, fermeture presque de l'entrée du vagin avec un machin. Il y a différents stades. Il y a 5 stades de Prader qu'on appelle Prader. Juste une augmentation du clitoris. Et stade 2, stade 4, c'est-à-dire qu'elle ressemble pratiquement à un garçon. Donc, c'est une
En gros, c'est une hypersécrétion d'androgène chez la petite fille. Or, chez la petite fille, à l'intérieur, ça se passe où elle est toujours à l'intérieur de sa mère, ce qui fait, ça entraîne une ambiguïté sexuelle. Ça veut dire, à la naissance, il y a une difficulté de dire si c'est un garçon ou si c'est une fille. Oui. Synécie utérine, on l'a expliqué, l'utérus, il est vide à l'intérieur. S'il y a un encollement des parois, il n'est plus vide à ce moment-là, les règles ne peuvent pas venir, puisqu'il est complètement fermé. L'asque, à l'intérieur, synécie, ça veut dire l'asque. On peut avoir une synécie, comme après un curetage abrasif. On a tellement cureté qu'ensuite les parois de l'utérus sont accolées. L'utérus n'est plus vide, on appelle ça une synécie, ou bien la femme fait une tuberculose génitale. Tuberculose génitale, c'est-à-dire la tuberculose, elle peut toucher l'intérieur de l'utérus. Et l'utérus est taqfel. Donc, les règles ne peuvent plus venir. C'est ça, synéchie, accolement, si vous voulez. C'est un terme médical, c'est synéchie. Et on peut donner l'explication comme accolement. Accolement des parois. Il n'est plus. Parce que normalement, une cavité. Oui. Il y a d'autres questions? Primaire et secondaire. La ménorrhée primaire, ça veut dire la femme n'a jamais eu ses règles, on l'a dit dans la définition. Elle n'a pas de règles, elle n'a jamais eu ses règles. Elle n'a pas eu sa ménarche. Ou la ménorrhée secondaire, ça veut dire c'est une femme qui a eu ses règles pendant un certain temps, pendant 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans. Ensuite, elle fait une ménorrhée secondaire. La ménorrhée secondaire, ça veut dire qu'elle a eu ses règles et ensuite elle les a perdues. Oui? Bon, si vous avez d'autres questions. Tout le monde, merci monsieur. Allez, ça va, merci Hakim, merci beaucoup. Ça va, il y a du succès, merci Hakim. Ça va, ils sont gentils. Hein? Vous n'avez plus... Est-ce que vous avez d'autres questions? Hein? Si vous avez d'autres questions, posez-les encore. Sinon, je vous dis à la revoyure, Inch'Allah. Alors, je vous dis au revoir.